والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين فالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا مشايف خزا سيغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue dans le cadre de ce live
Et comme d'habitude, nous allons commencer par notre petit rappel, Inch'Allah ta'ala. Dans le Saint-Coran, nous avons un très beau verset dans lequel le Seigneur Azza wa Jal dit « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran ou bien leurs cœurs sont-ils scellés par un cadenas ? Et c'est un peu le grand drame dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est que le Saint-Coran n'exerce plus, hélas, cet ascendant et cette influence d'antan. Le Coran n'impacte plus comme avant la foi de l'individu dans son quotidien, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre sa foi, de vivre sa relation avec ses proches, avec son créateur, et ainsi de suite. Parce que notre lecture d'aujourd'hui s'arrête de temps à autre sur l'un ou l'autre verset qu'il est en train de lire. Notre lecture qui parmi nous se met à une lecture des yeux sur ce fameux verset auprès duquel il s'est arrêté. Je prendrai un exemple. Ou plutôt un autre exemple. La prière, à titre d'illustration. Nous avons des fois la tendance très fâcheuse, pendant notre prière, d'accélérer le rythme et le pas de notre lecture, que ce soit la Fatiha ou une autre sourate. C'est devenu une lecture très mécanique, très machinale. Alors que ce à quoi nous devons essayer d'accéder pour celles et ceux parmi nous qui veulent absolument libérer leur conscience, leur cœur, les libérer du poids de l'insouciance et de l'oubli d'Allah Azza wa Jal, nous devons absolument travailler sur la question de la perception du verset par le cœur. Et quand on dit par le cœur, c'est dans la méditation, dans la contemplation. Je médite, je réfléchis, je me pose des questions sur le sens profond du verset et ce à quoi le Seigneur m'invite à travers ce verset ou cette sourate que je récite par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un seul exemple assez impressionnant. Cet exemple auprès duquel je vais quelque peu m'arrêter, c'est celui de la sourate Al-Fatiha. Sourate Al-Fatiha, la sourate, le prologue, la sourate qu'on appelle aussi la sourate Al-Hamd, la sourate des louanges, la sourate qu'on appelle aussi As-Sab'ul Mathani, les sept versets qui se répètent. Pourquoi? Parce que nous répétons dans toutes nos prières cette même sourate et même dans d'autres prières non obligatoires. On l'appelle Fatihatul Kitab, le prologue du livre, et ainsi de suite. Le but n'est pas ici de faire une sorte d'explication ou d'exégèse de la sourate, une forme de tafsir. Ce n'est pas le but de cette intervention. Mais l'intérêt est de réfléchir un petit instant comment certaines personnes ont vécu avec cette sourate, mais aussi avec d'autres sourates, mais particulièrement avec celle-ci, et comment elle a pu impacter et exercer une influence très positive sur leur vie. Et ce n'est pas un hasard, chers frères et sœurs, si nous observons un savant aussi éminent que l'imam Ibn al-Qayyim, dont son dernier livre, Zad al-Ma'ad, était sorti en français il y a peu de temps de cela. L'imam Ibn al-Qayyim a rédigé un livre, qui s'articule entièrement autour d'un seul verset, qui se trouve au cœur de la sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide et le secours. Vous vous imaginez, chers frères et sœurs, autour de ce verset seulement, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'imam Ibn al-Qayyim a bâti tout un livre. Certes, il avait été précédé par un autre savant qui se prénomme Abu Ismail al-Harawi, qui avait fait un premier jet autour des stations spirituelles qui sont régulées par ce verset. Mais Ibn Qayyim est venu et il a développé ce qu'a écrit son prédécesseur.
Et il a commenté aussi certaines des stations, et bien des stations qu'il y a dans ce livre. C'est le fameux ouvrage « Le sentier des itinérants ». C'est ainsi qu'il s'intitule en langue française. Le sentier des itinérants. En arabe, « Madarij al-Salikin ». Et le titre complet en arabe, c'est « Madarij al-Salikin bayna manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Madarij, donc les grades, les échelons, Salikin, les échelons que parcourent les itinérants, Beyna Manazil, Iyaka Na'budu, Iyaka Nasta'in, qui se trouve entre les stations de Iyaka Na'budu, c'est toi seul que nous adorons, et Iyaka Nasta'in, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide et le secours. Tout un ouvrage. Dans toutes les stations qu'il va citer, tout s'articule autour de ce verset-là. Qui se situe au cœur de Sourate Al-Fatiha. Et même Sourate Al-Fatiha est une sourate victime de nos lectures pendant la prière. Il y a certains parmi nous qui lisent la sourate comme un TGV, à une vitesse inouïe, alors que fait partie des bienséances ce que nous apprend Umm Salama, l'épouse du prophète Salam. Elle disait que le prophète Salam, dans sa lecture, il avait pour habitude de s'arrêter à un laps de temps très court, à la fin de chaque verset. D'accord ? À la fin de chaque verset, il s'arrêtait. C'était quelques fractions de seconde, mais il s'arrêtait quand même. Il marquait le temps d'arrêt, ce qu'on appelle al-waqf, dans la sourate des Juifs. Il marquait ce temps d'arrêt, al-waqf. Puis il passait au verset suivant, jusqu'à la fin de la sourate. Et elle a donné comme exemple sourate al-Fatiha. Elle a elle-même traduit cet impératif prophétique, ou cette bienséance prophétique, elle l'a traduit par sa lecture de Sourate Al-Fatiha, où il s'arrêtait à chaque fois à la fin d'un verset, puis il redémarre le prochain, etc. Le but n'échappe à personne, mes chers frères et sœurs. Le but de ces arrêts momentanés et très courts, c'est d'essayer de tirer quelque chose de ce verset avant de passer au suivant. Et savez-vous, mes chers frères et sœurs, que Sourate Al-Fatiha, cette sourate que nous récitons très souvent, tout le temps, dirais-je même, dans nos prières, et même dans nos prières recommandées surrogatoires, le savez-vous seulement, mes chers frères et sœurs, que cette sourate a aussi constitué une sorte d'élixir et de médicament pour soigner certains maux et certaines souffrances. Et j'en veux pour preuve cette expérience que nous a livrée l'imam Ibn al-Qayyim lui-même. L'imam Ibn al-Qayyim, dans quatre de ses ouvrages, il relate l'histoire de son séjour à la Mecque. Donc vous savez qu'il est originaire de Damas. Il s'est rendu à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et durant son séjour à la Mecque, il a été frappé de douleurs. De douleurs dont il décrit lui-même son intensité. Il disait que c'était des douleurs qui étaient des douleurs handicapantes, dans le sens où il empêchait vraiment de faire ce qu'il voulait. Il explique aussi qu'il n'y avait, à ce moment-là, il n'y avait ni médecin ni médicaments. Durant toute la période où il était souffrant, il s'est soigné par la récitation de la sourate al-Fatiha, au point qu'il dit que cette douleur dont il souffrait a disparu définitivement. Il n'avait plus, il ne ressentait plus aucun effet ni symptôme de cette douleur qui l'accablait pendant la période de pèlerinage. J'ai apporté avec moi un ouvrage que vous connaissez certainement. C'est un ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim qui a été traduit aux éditions Tauba. En arabe, il s'intitule Adda wa Dawa. En français, ils l'ont traduit sous le titre de Péché et guérison. Je vais vous le montrer. Donc, le voici. Donc, Péché et guérison. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de m'arrêter avec vous près d'un passage de cet ouvrage où il explique et il expose cette expérience qu'il a eue avec la sourate al-Fatiha. Alors, il dit à un moment donné, ici, je vais commencer depuis le début d'abord, parce qu'il relate, c'était un récit que j'allais évoquer dans quelques instants, mais je vais quand même l'anticiper. C'est le récit de ses compagnons qui étaient en voyage et qui sont entrés dans un village et ont demandé hospitalité. Cette hospitalité ne leur a pas été accordée. Et le chef du village est tombé malade, il avait été en fait mordu par un scorpion.
On a demandé à un compagnon de pouvoir lire en sa faveur pour qu'il puisse être guéri par la grâce d'Allah, Azzawajal, de Dieu, de cette morsure. Je vais lire à partir de là. L'imam Ibn Qayyim dit, il est également rapporté dans les deux recueils authentiques dans le Bukhari Muslim, d'après Abu Sa'id, un groupe de compagnons du prophète sallam en voyage firent halte dans un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants. Mais ces derniers refusèrent. Au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Les villageois usèrent de tous les moyens pour le soigner, sans que rien ne réussisse à apaiser feu de la morsure. L'un d'entre eux proposa, « Et si vous vous adressiez à ces voyageurs, donc ce groupe de compagnons qui étaient de passage, peut-être ont-ils quelques remèdes. » Ils se rendirent donc auprès du groupe de compagnons et leur dirent, « Notre chef a été piqué par un scorpion. Nous avons usé de tous les moyens pour le soigner, mais rien n'y fait. Auriez-vous quelques remèdes ?» Un des compagnons répondit, « Oui, je pratique la ruqya. Mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusée. Je ne ferai donc rien, dit ce compagnon, tant que vous ne nous aurez pas promis un salaire en cas de guérison. Ils se mirent alors d'accord pour un salaire de quelques moutons en cas de rétablissement. Le compagnon se rendit auprès du chef du village et récita, écoutez bien, il récita la sourate al-Fatiha, tout en crachotant sur la blessure. Le malade fut alors rétabli en un clin d'œil. Subhanallah. Se leva et marcha comme si rien n'était. Les villageois remirent alors les moutons qu'ils avaient promis aux compagnons. L'un d'eux dit, partageons. Mais celui qui avait pratiqué la ruqya répliqua, nous ne ferons rien avant d'aller voir le prophète, sallam, lui faire part de ce qui est arrivé et de voir ce qu'il nous enjoint. À leur retour, ils se rendirent auprès du prophète, sallam, et lui narrèrent l'événement. Le prophète demanda aux compagnons en question, comment as-tu su que la sourate al-Fatiha pouvait faire office de ruqya? Il dit ensuite, vous avez bien fait, partagez votre butin et n'oubliez pas ma part. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim reprend la parole et dit, ce remède a donc agi sur le mal en question, au point de le faire disparaître complètement. La Fatiha est pourtant le traitement le plus aisé à pratiquer. Si l'être humain traitait correctement les maladies à l'aide de la Fatiha, il constaterait son étonnante efficacité dans la guérison. Et maintenant, il va citer son expérience propre à lui. D'ailleurs, nous dit toujours l'imam Ibn al-Qayyim, « Je me souviens être tombé gravement malade à la Mecque. Il n'y avait ni médecin, ni médicaments. Je pris donc le parti de me soigner à l'aide de la Fatiha et j'obtins d'étonnants résultats. J'indiquai ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers. Et beaucoup d'entre elles guérissèrent rapidement. » Voilà donc le passage que je tenais absolument à partager avec vous concernant l'expérience de l'imam Ibn al-Qayyim. Et on voit déjà à l'époque du prophète sallam, ses compagnons, ou ce compagnon qui est parti soigner ce chef du village qui avait subi une morsure de scorpion et qui fut guéri très rapidement. Cependant, mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas de réciter, de répéter la Fatiha. Il faut aussi être tout à fait prêt à recevoir la guérison. Et ça, je pense, si je ne m'abuse, je pense que Ibn Qayyim ici, voilà, il le dit effectivement ici. Il dit, il y a cependant une chose qu'il convient de préciser, à savoir que les formules de rappel, les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement et de guérison présentent intrinsèquement des vertus curatives. Cependant, pour que le traitement soit efficace, la personne traitée doit être préparée à le recevoir et le soignant doit être animé d'une haute ambition permettant au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Je vous renvoie, mes chers frères et sœurs, au chapitre « La médecine prophétique » pardon, « La médecine prophétique » du dernier ouvrage qui a été publié
aux éditions Hadith de l'imam Ibn al-Qayyim en quatre volumes qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Le sous-titre c'est Muhammad, modèle de réussite. Si vous retournez au chapitre La médecine prophétique, vous verrez que l'imam Ibn al-Qayyim ne manque aucune occasion dans ce chapitre afin de rappeler les fondamentaux de la guérison. Et parmi ces fondamentaux, il y a le fait d'avoir non seulement une confiance totale en le Créateur, mais d'avoir aussi ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude. La certitude que la parole divine, que l'invocation est un remède efficace. Avec bien sûr d'autres choses qu'il expliquait, sur lesquelles je ne vais pas trop tarder. Là où je veux venir pour conclure, Inch'Allah, ce petit rappel, c'est que malheureusement, mes chers frères et sœurs, en ces temps, nous avons été toutes et tous formatés par le système actuel qui est le nôtre, et pas seulement ici, hein, partout. Nous avons été formatés par rapport à tout ce qui touche à la guérison, à la médicamentation, etc. On a été formatés. Et dans nos têtes à nous, il n'y a que les médicaments. C'est ce qui marche. Au point qu'il y a des gens qui sont... ils n'ont pas seulement une addiction de médicaments, ils sont même esclaves du médicament. Ils oublient que c'est le Créateur qui guérit. Et il est complètement attaché aux médicaments. Et ça, c'est très problématique. Et la médecine alternative doit pouvoir, et surtout la médecine prophétique, doit pouvoir proposer pas seulement un remède préconisé par le prophète sallam et expérimenté, mais aussi la médecine prophétique se doit aussi de proposer une autre thérapie, qui est une thérapie de l'âme, chers frères, chères sœurs. Soigner les douleurs de l'âme avant de s'intéresser aux douleurs du corps. Parce que lorsque l'âme est meurtrie par ses fautes, par ses péchés, par son oubli du Créateur, par l'absence de prière et par bien d'autres choses, comment voulez-vous que ce traitement puisse réussir? Et l'imam Ibn al-Qayyim avait une très belle expression dans son livre Zad al-Ma'ad, auquel j'ai fait mention à quelques instants. Il parle de demeure, parlant du cœur, il compare le cœur à une demeure qui ne ressemble qu'à une sorte de construction à l'image d'un vestige, d'accord? Des ruines. Le cœur à l'intérieur, il est en ruine. Tous les piliers du cœur se sont effondrés depuis très longtemps. La confiance en Dieu, l'amour du Créateur, concourir à se rapprocher de lui, se rattacher à sa parole, travailler son corps par le rappel, fréquenter les gens qui vont nous rappeler Dieu. Il y a des personnes qui sont loin de tout ça, qui sont à des années-lumière de tout ça, et puis qui demandent à être soignées par la ruqya ou par la médecine prophétique. Bien que la ruqya fasse partie de la médecine prophétique. Mais j'ai envie de dire à nos chers frères, nos chères sœurs, qui sont dans ce genre de situation, et que Dieu nous guide, nous toutes et tous. Et j'ai envie de leur dire, le premier remède, c'est le remède de l'âme, avant celui du cœur. Parce que si l'âme n'est pas soignée, cette médecine prophétique n'exercera pas son effet. Et ça, c'est très important. C'est là-dessus, Inch'Allah, que se termine ce rappel, Inch'Allah. Maintenant, je voudrais aborder la question du jour. Alors, pour la question du jour, je voudrais partager avec vous une réflexion. Il y a de nombreuses années de ça, je m'étais toujours posé une certaine question, probablement par naïveté, et cette question qui m'avait taraudé durant tant d'années, c'était d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes cachaient leur maladie. Personnes malades, elles cachent leur maladie. Ce ne sont pas nécessairement des personnes de notoriété publique qui sont très connues. Non, non, des fois même c'est des simples fidèles, de simples frères et sœurs qui sont malades, qui ont une maladie. Je ne parle pas d'une fièvre ou d'une grippe, non, ils ont une maladie chronique. Et ils ne veulent pas en parler. Et certains même sont dans un déni, dans le sens où, si on leur pose la question, ils font tout pour fuir la réponse. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Au contraire, quand on entend que quelqu'un est malade, on le console, on se dit qu'on va invoquer pour lui, pour qu'Allah le guérisse. Et même dans ma propre famille, hein, il y a des personnes qui ont un certain âge,
dans ma propre famille qui pendant des années ont été très malades. Et ça se voyait physiquement, hein, ils avaient fort maigri. Mais ces personnes-là, mashallah, n'ont jamais, probablement à part leur conjoint et sûrement leurs enfants, mais le reste de la famille, ils n'ont jamais partagé les raisons de leurs soucis. Jamais. Et ça m'a toujours interpellé. Mais, subhanallah, avec les années, j'ai commencé à dessiner les traits de cette réponse qu'il convient d'apporter à cette question. Je suis vraiment très navré de dire que nombre d'entre nous, nous sommes de très mauvais conseils pour les personnes qui sont autour de nous et qui sont malades. Nous sommes de très très mauvais conseils. Et quelquefois, certaines personnes qui sont dans un déni ou qui cachent soigneusement leur maladie, en fait, elles le font parce qu'elles ne veulent pas devenir le sujet de discussion dans les salons, à la maison, ou dans un café, ou dans une mosquée. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas que tout le monde se mette à l'interpeller dans la rue. « Ah, j'ai appris que tu avais telle maladie. » Elles ne veulent pas être le sujet des grands échanges, vous voyez, parce que ça blesse. Ça blesse profondément. Et donc, là, j'ai compris effectivement que certaines personnes, en fait, elles veulent vivre leur maladie dans leur intimité avec leur Créateur. Ce qui est noble en soi. Mais c'est parce qu'elles ne trouvent pas souvent ce qu'on appelle en arabe « as-sanad », le soutien. Elles ne trouvent pas de soutien dans la famille, en tout cas au sens large, et ne le trouvent pas très souvent dans la communauté. Moi, je me rappelle, et je vais vous donner deux faits divers pour vous expliquer mon propos. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un frère qui avait un cancer. Un autre frère que je croise, que je vois très rarement, il me demande après lui, après celui qui est malade. Bon, moi personnellement, ça ne me regarde pas de dévoiler la maladie des gens, je le dis très franchement. Pour moi, ça appartient à la vie privée. Et le frère, en fait, il me dit, oui, j'ai appris qu'il avait tel cancer. Bon, je n'ai pas fait plus de commentaires que ça, mais regardez la suite. Il se met à le plaindre. Ah, le pauvre. Ah, franchement, le pauvre. Qu'Allah l'assiste, qu'il allège, parce que ce genre de cancer, c'est fulgurant, il ne va pas rester longtemps sur Terre. Moi, je ne vous cache pas, j'étais choqué de ce genre de propos. Ça, c'est un frère. C'est un frère qui tient ce propos-là. J'étais vraiment profondément choqué. Et j'ai clôturé la discussion avec le frère en lui disant, écoute, n'oublie pas dans tes invocations, je pense que c'est ce qu'il a besoin pour le moment. Et là, ça c'est le premier exemple. Mais là, j'ai compris effectivement pourquoi des personnes cachaient leur maladie. Parce que nous sommes très blessants. Nous ne sommes pas des gens qui accompagnons les personnes malades. Nous les enfonçons dans leur maladie. Avec le commérage. Avec des phrases qui ne sont peut-être pas voulues, mais qui sont maladroites. Je vous donne un deuxième exemple. Il y a un papa qui avait été hospitalisé, il avait pas mal de soucis de santé. Il avait été hospitalisé et voilà qu'un de ses amis de sa génération vient le voir à l'hôpital. Ça, c'est près de lui. Regardez la maladresse. Ça ne part pas d'une mauvaise intention, c'est certain, mais il y a de la maladresse quand même. Et un manque d'éducation de notre part sur cette question-là, sur ce point-là en tout cas, sur l'aspect de la maladie. Et voilà, le deuxième papa qui était présent auprès du papa malade commence à lui dire « Oui, je sais, c'est très difficile, c'est une maladie qui n'est pas facile, selon notre expression marocaine très connue, Allah c'est l'aoun, en tout cas qu'Allah t'assise dans cette épreuve. C'est vrai, ici à l'hôpital, on s'ennuie très vite. » Ça, c'est pas, on ne tient pas ce genre de discours devant un malade. Moi, je suis pratiquement certain que ce malade, lorsque son ami a quitté la chambre d'hôpital, je suis pratiquement certain qu'il a été déprimé. Normalement, ce sont ces moments-là où on lui parle d'autre chose, on lui parle d'Allah Azza wa Jal. Et même aussi, un autre exemple aussi que je voudrais citer aussi, c'est le plus amusant de tous. Ce sont des frères
et même des sœurs aussi, hein, qui sont malades. Ils ont une maladie, mais ce n'est pas une maladie qui nécessite de s'en inquiéter, on va dire, au premier degré. C'est une maladie, elle peut même être chronique quelquefois. Mais ce qui est choquant, c'est que vous allez trouver un frère ou une sœur qui va lui dire ben écoute, c'est maintenant qu'il faut se rappeler de Dieu, n'oublie pas la clémence de Dieu. En fait, c'est comme si ce frère ou cette sœur allait partir dans quelques jours ou dans quelques heures, allait quitter ce bas monde. Ce qui est assez quand même, c'est assez désolant. Là, on est très très maladroit. Je pense aussi à un problème d'éducation que nous avons à ce niveau-là. Ces personnes-là ont besoin d'un soutien. Elles ont besoin de beaucoup de délicatesse, quel que soit le type de maladie qu'elles ont. Les Arabes, par exemple, le malade, ils avaient une expression qu'ils utilisaient fréquemment. Il appelait, il disait à une personne malade, il ne lui disait pas « Anta rajul al-marid ». Il lui disait « Anta salim ». Tu es en bonne santé. Regardez, « Anta salim », tu es en bonne santé. Ils sont en train de lui insuffler du courage, de la motivation, de la détermination. Alors si le prophète sallam avait pour habitude de modifier les prénoms de certains de ses compagnons, hommes et femmes, parce que le sens était négatif, pour leur donner des prénoms qui ont un sens plus positif, qui sont plus porteurs d'espoir, etc. Que dire des malades, mes chers frères et sœurs? Nos malades à nous, qui sont autour de nous, qu'ils fassent partie de nos familles ou non, ont besoin d'un minimum de compréhension et qu'on leur parle d'autre chose que de leur maladie. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est que la personne, pendant une heure, elle va parler avec le malade de sa maladie. Et certains s'improvisent même médecins. « Ouais, est-ce que tu n'as pas essayé tel traitement? Est-ce que tu n'as pas essayé tel ruqya? Est-ce que tu n'as pas essayé le hijama ?» Tu es médecin, toi, pour proposer. Qui te dit que la hijama est bonne pour lui, à ce moment-là? Alors qu'on sait que des fois, la hijama, quand bien même elle a été enseignée par le prophète, dans certains cas, la hijama peut ne pas être préconisée pour un malade, dans une étape bien définie de sa maladie. Mais ça, il n'y a que le médecin qui le sait. Et c'est un peu le gros souci. Pour terminer, Inch'Allah, cette question du jour, je la terminerai par deux choses. La première, c'est la nécessité pour nous de nous éduquer. Parce que lorsqu'on rencontre un malade, que nous ayons au bout de nos langues que des belles paroles et qu'on lui fasse oublier sa maladie. Et pas qu'on lui rappelle à chaque fois qu'il est malade. Ça, c'est la première chose. Et aussi, éviter cette curiosité inutile. Quelqu'un est malade, ah mais de quoi il est malade? Des gens qui grattent, ils veulent avoir l'information. De quoi est-il malade? Mais en quoi ça t'intéresse qu'ils soient malades? Qu'il était une maladie? Si on te dit qu'il est malade tout court, n'est-ce pas suffisant? Ça c'est le premier point de ma conclusion par rapport à la question du jour. Le deuxième point, j'ai lu l'année dernière un ouvrage, je voudrais vous le montrer. Cet ouvrage, c'est un très beau livre. Il s'appelle... Peut-être que certains d'entre vous ont dû en entendre parler, il s'appelle « Miracle Morning ». Offrez-vous un supplément de vie. Le voici. Pourquoi j'ai choisi de conclure ma question du jour avec ce livre? Parce que, subhanallah, quand j'ai lu l'introduction de l'an dernier, quand j'ai lu l'introduction de ce livre, et l'histoire de l'auteur, son histoire, elle est impressionnante. C'est un homme qui a échappé, bi'idhnillah, bien sûr, de peu à la mort, suite à un grave accident de voiture. C'est un homme aussi à qui on avait dit qu'il risque de ne plus jamais se remettre sur pied, donc de marcher. Et ce qui est surtout le passage le plus intéressant, c'est un livre en développement personnel. Hein. En fait, l'accident gravissime qu'il a eu en 1999, a transformé sa vie. Le jour où, alhamdoulilah, il a pu sortir de sa maladie et de s'en libérer petit à petit, il a vu la vie d'une autre façon. Et maintenant, c'est un conférencier international, il accompagne des gens dans pas mal de projets, il donne des séminaires dans des entreprises aux États-Unis et ailleurs. Il a créé un immense réseau, donc il avait donné le nom, je vais essayer de me rappeler un peu le nom dont il avait donné. Parce que bon, je l'ai lu l'année dernière. Oui, voilà, il avait appelé ça son réseau, il l'avait appelé la communauté de Miracle Morning. En fait,
L'idée centrale de l'ouvrage, c'est de réorganiser sa vie pour profiter au maximum de la vie. C'est un peu ça le message que l'auteur veut donner. Et ce qui m'intéresse, et c'est en lien avec notre question du jour, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie introductive où il relate son grave accident, sa période de convalescence et, comment il s'est remis sur pied. Ce qui est frappant, c'est que ses amis et sa famille, et là c'est un contraste total avec, hélas, ce que nombre d'entre nous font aujourd'hui avec nos proches et nos amis quand ils sont malades, il disait que sa famille et ses amis ont été les meilleurs soutiens dans cette période difficile. Ils lui ont donné de l'énergie, de la détermination. Ils l'ont poussé à ce qu'il se batte pour qu'il puisse se remettre sur pied. Il a défié par son moral d'acier, alors qu'il était quand même était gravement blessé, par son moral d'acier, il a défié les pronostics des médecins qui disaient « Nous pensons qu'il est fort peu probable que vous puissiez vous remettre sur pied, marcher. » Il a réussi. Et maintenant c'est, voilà, c'est quelqu'un qui marche, qui vit normalement, qui fait du sport, qui anime pas mal d'activités. Et le message final que je souhaiterais faire passer, c'est que nous aussi aujourd'hui, au lieu d'être responsables de l'inertie de personnes malades et de leur détresse aussi morale et psychologique, ce qu'on ne se rend pas compte, on devrait plutôt leur apporter une lueur d'espoir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ce qu'on appelle al-fa'l al-hasan. Al-fa'l al-hasan, c'est toute parole porteuse d'un bon sens, d'une bonne signification, porteuse d'espoir, al-amal, dans le futur. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Donc il y a toute une rééducation à faire de nos familles, sur nos propres personnes, dans l'approche par rapport à la maladie, par rapport à des personnes qui sont accablées par certaines maladies chroniques qui les accompagnent leur vie durant. Au lieu de les enfoncer, on devrait plutôt les aider à aller vers le haut. Parce que malgré leur maladie, ils puissent, eux, rester des gens utiles. Et que ce n'est pas nous qui allons tirer la dernière cartouche, on va les abattre une fois pour toutes. Ce qui est vraiment dramatique, c'est ce qui se passe très souvent, hélas, dans nos familles. Là, vous comprendrez avec moi maintenant pourquoi il y a dans nos familles, dans notre communauté, dans notre entourage, il y a des gens qui cachent leur maladie. Ce ne sont pas des personnalités publiques. Ils cachent leur maladie par gêne, certainement, mais aussi parce qu'ils ont peur de la langue des gens. Les gens sont très méchants. Et quand je dis qu'ils sont méchants, c'est souvent que ce n'est pas prémédité. Mais ça blesse quand même. Alors pour se protéger eux-mêmes, ils préfèrent garder ça pour eux, entre eux et leur créateur. Voilà. Barakallahu fikoum, en tout cas, mes chers frères et sœurs, on va prendre une ou deux questions avant de marquer, Inch'Allah, un temps d'arrêt. Mon père est atteint d'une maladie, nous dit une sœur, neurodégénérative appelée démence à corps de Lewis. Elle s'accompagne de troubles mentaux et cognitifs accompagnés de perte de mémoire. La prière lui incombe-t-elle? Je tente de lui faire garder la prière, mais malheureusement sa maladie ne lui permet pas de demeurer concentré. Et au bout de quelques secondes, il passe à autre chose. Alors la question de savoir si la prière lui incombe ou non, je dirais à notre sœur que tout est question de lucidité. À savoir que dans ces maladies dégénératives, il y a des périodes où ces personnes qui sont malades, il y a des périodes où elles n'ont pas le sens du discernement. Elles sont très confuses, dans ce qu'elles disent. Elles oublient très vite. Bref, elles n'ont pas ce discernement ni cette lucidité. Et pourtant, la lucidité, pardon, et le discernement font partie des conditions qui rendent un musulman responsable devant Dieu dans l'accomplissement de ses devoirs religieux. Moi, je dirais tout simplement, je ne connais pas très bien la maladie, mais je dirais tout simplement à notre sœur, qui elle a l'expérience avec son père, c'est que si maintenant, effectivement, il est, pour la plupart du temps, il n'est pas habité par ce sens du discernement, il perd très vite mémoire. Il se peut que même lorsqu'il démarre la prière, il sort de la prière tout seul parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, il y a de fortes chances que sa prière ne compte plus à ce moment-là parce qu'il n'est plus responsable. En revanche, si ce sont des épisodes dans sa journée ou dans la semaine où il a des absences, bien, il faut profiter des moments où il est encore lucide. Moi, je connais des personnes qui ont aussi des maladies neurodégénératives, mais qui n'ont pas perdu complètement le sens du discernement. Il y a des périodes où ils sont très conscientes. Elles ont ce sens de la lucidité. C'est à ce moment-là qu'on les invite à prier.
On les a priés, bien sûr, la prière qui incombe à leur même. Imaginons une personne, elle a son sens de lucidité au moment de dhuhr, mais elle appelle le maghrib. Ben, le maghrib, c'est tout, elle n'est plus responsable. Et après le maghrib, elle n'est pas due. Mais dhuhr le sera. Pourquoi? Parce que elle est pleinement consciente, elle est lucide, elle comprend ce qu'on lui dit, elle échange, etc., etc. Donc voilà, tout dépend vraiment de la situation, de ce degré de lucidité et du discernement par lequel passe le papa de notre sœur. En tout cas, nous invoquons Allah Azzawajal, qui lui accorde force et courage, et qui accompagne la famille aussi dans la patience et la persévérance face à la maladie. Que pensez-vous de ces fêtes à la mode de nos jours? Exemple, enterrement de vie de jeunes filles, baby shower, etc. C'est vrai que de nos jours, il y a pas mal de, hélas, de nouvelles modes qui apparaissent. Franchement, moi, ce que je trouve très triste, très très triste, c'est que nous, musulmans, on ne prend jamais le meilleur des cultures étrangères. Des cultures et des sociétés étrangères, on ne prend jamais le meilleur de ce qu'ils ont. Et ça, ce n'est pas seulement nos communautés musulmanes d'Occident, même les pays musulmans, c'est le même problème. Ils prennent que des épluchures. Mais les choses essentielles, comme le savoir, comme la connaissance, comme les compétences, comme le sens de l'organisation, comme le management, etc., on est toujours dans le même désordre. Et c'est ça qui est très dommage. Et effectivement, suite à la question de posée ici, c'est clair que ce genre de fêtes ne font pas partie de nos traditions, ne font pas partie de nos cultures, de nos habitudes, de nos usages, etc. Et les délaisser, c'est plus qu'évident que ce sera un impératif, Inch'Allah. Je rappelle le baby shower, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fête prénatale, c'est lorsque la femme est encore enceinte et on fait une petite fête avant l'arrivée du bébé. Bon, ça n'a aucun sens, mais malheureusement, comme je disais, on ne prend que les choses inutiles et futiles, on les prend, alors que les choses les plus importantes, on n'y prête même pas attention. Troisième, je vais m'arrêter là-dessus, Inch'Allah ta'ala, avant la petite pause. Mon épouse est dotée d'une grosse poitrine. Elle voudrait effectuer une réduction mammaire car il n'y a pas un jour où elle n'a pas de douleur dorsale due à leur poids. Est-ce permis ou pas, vu que dans son cas, elle gagnerait en confort et qualité de vie, sans parler de douleur qui devrait disparaître? On va partir d'une règle que nos juristes évoquent souvent lorsqu'ils abordent toutes les questions qui sont liées à ce qu'on appelle le tajmil, l'esthétique, zina, l'embellissement. Nos juristes évoquent une très belle règle. Ils disent que changer une création naturelle de Dieu dans le but de s'embellir n'est chose pas permise. Mais ce qui va constituer la ligne de démarcation entre ce qui n'est pas autorisé, islamiquement parlant, et ce qui est permis, c'est de s'arrêter auprès du motif, le motif qui pousse à faire ce changement. Si ce changement est motivé par de l'esthétique, par de l'embellissement, il est clair que là-dessus, c'est changer la création de Dieu. En revanche, s'il s'agit de lever un préjudice, dans ce cas, si ce préjudice est avéré, la réponse sera oui, elle sera affirmative. Donc pour ce qui est de notre sœur ici, s'il n'y a pas d'autre moyen pour éviter ces problèmes de dos qu'a notre sœur, donc l'épouse du frère, et qu'il s'avère réellement que le problème de dos est lié aux grosses poitrines de la sœur, à ce moment-là, il n'y a aucun souci à pouvoir diminuer un peu de ces poitrines, pas les embellir, mais diminuer un peu, de quoi suffire pour mettre fin à ces douleurs qu'elle a. D'accord? Et là, il y a une règle juridique qui dit « Ad-dararu yuzal ». Donc, toute nuisance doit être levée, de manière à ce que la personne n'endommage pas davantage sa santé, d'accord? Et qu'il ne soit pas dans une situation d'inconfort moral, psychologique, à cause justement de ces douleurs qui lui viennent soit de ses poitrines directement ou à cause de ses poitrines qui impactent sur son dos. Donc la réponse au final, si c'est pour cette raison,
pour lever une nuisance, il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Et s'il n'y a pas d'autres méthodes pour diminuer ou supprimer ces douleurs. Et s'il s'avère réellement que les grosses poitrines soient la cause de ces douleurs-là. Vous voyez, il y a pas mal de paramètres avant d'aller vers ce genre de chirurgie. On va arrêter ici, inshallah ta'ala, pour une petite pause de quelques minutes. Et puis nous reprendrons directement après notre petite pause. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح
باسم ربك العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue dans le cadre de ce live. Je vais poursuivre la réponse aux différentes questions qui sont sous mes yeux. Une sœur dit ici, mon mari a pour habitude de mettre un mouchoir après avoir uriné pour éviter que quelque chose ne touche son habit. Ensuite, il l'enlève pour chaque prière. Mais un jour, il a prié et a constaté seulement après, que le mouchoir s'était glissé le long de son pantalon. Doit-il refaire la prière? La première question qui se pose, pourquoi le frère en question utilise-t-il ce genre de mouchoir après avoir uriné? Est-ce qu'il a des pertes d'urine, ce qu'on appelle en arabe celle bowl? Il y a des gens qui ont des pertes d'urine naturelles. Naturel, c'est maladif dans le sens. Dans ce cas, on pourrait le comprendre. Et même à ce niveau-là, on pourra dire que, à partir du moment où c'est une situation qu'il ne contrôle pas, même s'il se présente à sa prière et qu'il y a des petites gouttes d'urine dans ses vêtements intérieurs, parce qu'il ne contrôle pas la sortie d'urine, sa prière est valide, il devra juste refaire ses ablutions pour chaque prière. Donc ça aussi c'est une question à se poser. Pourquoi utilise-t-il ce genre de mouchoir qu'il met afin qu'éventuellement que l'urine ne touche pas. Donc c'est que probablement il a peut-être des pertes d'urine. C'est ce qu'on pourrait comprendre de la question. Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'ouest. Il ne faut pas tomber dans l'ouest parce que là ça va rendre la vie très dure aux frères. C'est de croire, pour un oui ou pour un non, de croire qu'il y a des gouttes d'urine qui ont échappé. Et là, le frère va avoir une vie infernale parce qu'il ne va plus s'en sortir. Donc, ce qui est demandé, c'est, bien sûr, après avoir uriné, c'est de se nettoyer comme nous l'a enseigné le prophète sallam. Et ça, malheureusement, c'est aussi une chose que beaucoup de musulmans, d'hommes particulièrement, beaucoup de jeunes aussi, ne font pas, ne connaissent pas. Il y a ce qu'on appelle donc le prophète sallam demandait de qui est ce qu'on appelle le tatahur, c'est le fait de se nettoyer, de se purifier après avoir uriné pour pas qu'on laisse des traces d'urine qui pourraient encore affecter ses vêtements après cela. Après ça, si quand bien même si le frère aurait après coup constaté quelque chose, Sa prière reste valide, parce que dans ce cas précis, il a pris ses précautions, mais le mouchoir a quand même glissé dans son pantalon. Il n'aura pas à remettre la prière, Inch'Allah. Elle a recommencé. Très bien. Mais il est important de ne pas tomber dans l'ouest. Ça, c'est important. Pouvez-vous m'expliquer le jugement concernant le meurtre en islam? Et y a-t-il une sentence dans cette vie ici-bas? Que disent les écoles? Je dirais tout simplement, parce que bon, c'est un long sujet, je dirais tout simplement que les juristes sont d'accord, quelle que soit leur école, sont d'accord sur le fait que lorsqu'il y a homicide volontaire, la famille de la victime est consultée par le juge al-Qadi. Il faut savoir que la peine de mort, parce qu'en Occident, en Europe, nombre de pays européens et occidentaux ont annulé la peine de mort, souvent pour des considérations, des considérations humaines, ils considèrent que c'est inhumain. L'islam a un autre regard par rapport à ça. L'islam, lui, affirme que la vie d'un être humain n'en vaut pas plus qu'un autre. La vie d'un être humain n'en vaut pas plus qu'un autre. La vie des hommes est égale. La vie des hommes est tout à fait égale. Il n'y a pas une personne qui mérite de vivre tandis qu'une autre a perdu la vie à cause de lui. À moins qu'il s'agisse d'un accident. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand c'est prémédité, ça, c'est la position de la loi musulmane par rapport à ça. D'ailleurs, dans le Coran Karim, le Seigneur Azzawajal dit « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Il y a pour vous, dans ces peines appliquées en cas de meurtre, il y a pour vous matière à vie, hayat, parce qu'elle fait vivre la société. Chacun sait à quoi s'en tenir.
On n'attend pas la vie d'autrui comme ça pour se dire après je vais passer 15-20 ans en prison, et encore, personne ne le souhaiterait, mais dans le sens où la personne sait à quoi s'attendre, à s'en tenir, c'est âme pour âme. C'est ça la règle, c'est âme pour âme, il n'y a pas de vie qui soit plus chère qu'une autre. Mais en même temps, cette peine n'est pas expéditive. D'abord, il faut clairement établir que c'est qu'un tel ou une telle, on est le coupable. Déjà ça ici, les fuqaha, les juristes musulmans, lorsqu'ils abordent tout le code pénal de l'islam dans les classiques de droit musulman, que ce soit les anciens ou les contemporains, ils sont très clairs là-dessus. Il y a une nécessité de redoubler, si pas de retripler, de prudence, d'être très vigilant pour ne pas accuser à tort quelqu'un. On va l'accuser d'être le responsable de la mort d'une personne alors qu'il ne l'est pas. Le moindre doute ou le moindre soupçon annule la peine. Et les juristes ont une règle là-dessus. Ils disent, qui part d'un hadith, « Idra'ul hudud bishubuhat ». Donc, lever l'application des peines suite à une situation confuse, parce qu'on risque de commettre une injustice. Et certains même disent, dans leurs expressions, ils disent que mieux vaut éviter l'erreur par la non-application de la peine que d'appliquer une peine dans l'erreur. Vous voyez ? Donc j'évite l'erreur parce que la situation est confuse, donc je n'applique pas la peine. Mieux vaut ça que quelqu'un qui va appliquer une peine et qui s'avère après qu'il s'est trompé. Vous comprenez bien que les deux situations sont quand même assez délicates. Alors le qadi, le juge musulman, parce que c'est sa responsabilité, il revient vers la famille. La famille, elle a trois choix. Le premier choix, c'est l'exigence que cette personne soit condamnée à mort. Pourquoi ? Parce qu'elle a ôté la vie de leurs proches. Le deuxième choix, que le juge laisse à la disposition de la famille, c'est qu'elle pardonne. C'est qu'elle pardonne à l'assassin. Et le troisième choix, c'est d'accepter, en échange, d'accepter un dédommagement, ce qu'on appelle diya. Diya, à l'époque du prophète, c'était le prix du sang. D'accord ? C'est le qadi qui calcule ce dédommagement. Et si la famille l'accepte, bien sûr, la famille accepte l'une des trois options dans une liberté totale. Il ne peut pas y avoir de pression, de contrainte, ni médiatique, ni de la part d'un juge, ni d'homme politique, ni de personne d'autre. La famille doit seule réfléchir en âme et conscience ce qu'elle veut choisir. Ou bien elle demande l'application de la peine, ou elle pardonne, ou troisièmement, elle accepte un dédommagement. Et là, on voit que le dernier mot appartient à la famille. D'accord ? C'est pour ça que les fuqaha disent, les juristes musulmans disent que le qadi s'en remet à Ouliya el-Mayyit. D'accord ? Ils s'en remettent au tuteur au pluriel du mort, la personne défunte, la personne qui a été assassinée, qui a été victime de ce meurtre. Et de cette manière, vous voyez que l'affaire n'est pas aussi simple que ça et n'est pas non plus caricaturale comme on le lit souvent dans certains ouvrages orientalistes ou même de pseudo-spécialistes de l'islam de l'époque contemporaine. Parmi nos contemporains. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Sixième question, est-ce que la prière de Doha fait partie des 4 raka'a à faire avant la prière de Doha ? La réponse est non. Parce que la prière de Doha, déjà il y a deux problèmes. Il y a le problème du nombre de raka'a et aussi le problème du temps qui va différencier Salat Doha des 4 raka'a de Doha. Alors, au nombre de raka'a, nous avons entre 2, 4, 8, jusqu'à 12 raka'a pour ce qui est de Salat al-Duha. Ça, c'est la première chose. Alors que avant l'après de Dhuhr, c'est entre 2 et 4 raka'a. C'est ce que nous enseigne la sunna prophétique. Ça, c'est au niveau du nombre de raka'a. Ensuite, on va voir la différence entre Doha et ces 4 raka'a avant l'après de Dhuhr au niveau du temps. Au niveau du temps, c'est le même principe. Les 4 raka'a de Dhuhr ne peuvent être faites avant Dhuhr ne peuvent être faites qu'à l'entrée de l'heure de Dhuhr et pas avant. Une fois que l'heure de Dhuhr est entrée, la personne peut prier 2 raka'a ou 4 puis faire suivre ça par Salat al-Dhuhr. Ce qui n'est pas le cas ici pour Doha. Doha généralement c'est au petit matin qu'elle se fait, d'où son nom Doha,
C'est au petit matin qu'elle s'accomplit. Et donc, elle ne se trouve pas au niveau du zénith. D'accord? Parce que Dor, c'est après le zénith. Voici donc les différences entre les deux. Je suis une personne qui aime faire ses ablutions avant de me coucher, mais puis-je encore le faire tout en étant indisposé? Aïcha radiallahu anha, dans un hadith rapporté par Muslim, Umm Salama l'avait interrogée à ce sujet. Et elle disait que, Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude que même lorsqu'il était en état d'impureté majeure, la janaba, il faisait ses ablutions avant de dormir. D'accord? Cependant, dans la sunna prophétique, nous n'avons rien, ou plutôt nous n'avons aucune précision par rapport à la femme. Elle doit elle aussi faire ses ablutions, quand bien même elle serait indisposée, les faire avant de dormir. Et là-dessus, les juristes ont eu un petit débat entre eux. La conclusion de ce débat, c'est de dire ce qui suit. C'est que la femme qui est indisposée, elle ne fait pas ses ablutions. Alors que l'homme qui est en état d'impureté majeure, ou la femme qui est en état d'impureté majeure, tous les deux peuvent effectivement faire ces deux ablutions, parce que les ablutions diminuent un peu de l'état de l'impureté générale. Ce qui n'est pas le cas d'une femme qui serait indisposée ou qui a les louchis. La femme dont les règles arrivent à terme, donc ses règles sont terminées, elle peut aussi, elle aura le même statut qu'une personne qui est ce qu'on appelle la janaba, donc l'impureté majeure. Elle pourra elle aussi à ce moment-là faire ses ablutions et avant de dormir. Donc voilà ce qu'il en est. Donc en résumé, la femme n'est pas invitée, la femme indisposée, que ce soit pour la raison de menstrues ou de louchi, n'est pas invitée à faire ses ablutions avant de dormir. Elle le fera une fois que c'est fini, ou alors si elle est dans un état de janaba, donc d'impureté majeure, au même titre que l'homme. Ce sont les seuls cas qui ont été relatés à la lumière de la tradition prophétique. Très bien, ça, j'ai terminé cette question. Alors, quelle est la place des sciences non religieuses en dehors de la médecine? Exemple, chimie, physique, mathématiques, informatique en islam. L'islam nous incite-t-il à les étudier? Nous rapprocherons-nous de notre Seigneur et gagnons-nous des hasanat en les étudiant? Partons d'un point de départ qui sera de dire que tout savoir à partir du moment où ce savoir est utile, il est bénéfique, le croyant sera encouragé à l'acquérir. Il ne doit pas nécessairement être religieux. La question maintenant qui est de savoir est-ce qu'on se rapproche de Dieu ou non, les sciences sont de deux types. Les sciences non religieuses, profanes, sont de deux types. Il y a des sciences qui nous aident à mieux connaître la création et l'œuvre divine. Ça vaut pour la médecine, ça vaut pour la chimie, ça vaut pour la biologie et bien d'autres domaines, l'astronomie aussi. Et il y a des sciences qui ne sont pas de cet acabit-là, qui sont un peu plus techniques. Je pense un peu aux maths, je pense à l'informatique, c'était parmi aussi les exemples cités par notre sœur. N'empêche, on peut se rapprocher de Dieu à partir du moment où ce savoir acquis est utile et que nous le mettons au service de la collectivité. Là, je me rapproche de Dieu, là, je gagne des hasanat. Donc, en résumé, lorsque l'intention est présente et que ce savoir est un savoir en soi, il est utile, bien entendu, il ne fait aucun doute. Et le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est la plus parfaite démonstration. Et toute la civilisation islamique rayonnante et brillante et illustre et prestigieuse que nos ancêtres ont bâtie, ils l'ont bâtie pas seulement avec des sciences religieuses, mais même avec des sciences profanes. Parce qu'ils ont compris ce premier verset, « Iqra, lis au nom de ton Seigneur », ce premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'avis islamique quant au fait d'aller au CPS ou de profiter du chômage sans être dans le besoin? Par exemple, pour le CPS, le frère ou la soeur prend l'exemple de parents, donc ils ont le CPS, mais tous les deux ont des revenus. Donc chacun a un revenu, chacun des deux parents a un revenu. On va partir du principe qui sera le suivant, du postulat suivant, c'est qu'il est clair que le CPS, le chômage sont là pour aider les gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail. Le chômage va compléter aussi
le salaire et la rémunération d'une personne qui travaille, mais qui ne travaille pas à temps plein, soit à mi-temps ou encore selon d'autres formules. Donc on est là dans des aides pour permettre à ces gens-là d'essayer dans la mesure du possible de vivre dignement. Même si ce n'est pas toujours facile, aujourd'hui malheureusement, la vie devient de plus en plus chère. Et avec cette crise du Covid, les choses ne s'améliorent pas, hélas. Mais lorsqu'une personne sait qu'elle a, elle a un revenu stable, elle s'en sort sans aucun problème, dans ce cas, pourquoi aller chercher un CPS et pourquoi garder un chômage? C'est une forme d'injustice et c'est même une forme de triche également. Et le prophète nous a dit clairement, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est triche n'est pas des nôtres. Et je rajoute tout ça un autre détail, c'est que c'est aussi une injustice, un volm, parce qu'on prive d'autres personnes qui sont beaucoup plus prioritaires, on les prive de ce droit d'avoir accès au chômage ou au CPS. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui, par cupidité, par gain d'argent, se permettent donc de jouer sur plusieurs tableaux. Je sais très bien que certains vont dire « Oui, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Certains enchaînent des petits boulots à gauche à droite parce qu'avec leur salaire, ils ne s'en sortent pas. » Moi, je n'entre pas dans ce genre de situation. Je dis chacun a sa conscience. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et Dieu connaît la situation de chacun. Moi, je parle de quelqu'un qui a un revenu, qui a une entrée, qui peut très bien vivre de ces entrées-là. Mais non, il choisit de continuer à gratter le système via le chômage ou le CPS. Ça, c'est une forme d'injustice, c'est une triche. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne risque de ne pas avoir de baraka, de bénédiction dans ses biens. Pourquoi? Parce qu'ils seront, hélas, infectés de choses illicites par le biais de la triche et de la tromperie. Alors, je continue ici dans les questions. Je souhaiterais un éclairage concernant les représentations d'images. Dans Sahih Muslim, on trouve plusieurs hadiths rapportés de notre prophète sallam, qui traitent de ce sujet. Parmi ceux-ci, je cite, c'est parmi les gens les plus durement châtiés au jour de la résurrection, il y a les producteurs d'images. Qu'en est-il des destinateurs de bandes dessinées, les mangas, les bandes dessinées, le fait d'en lire ou d'en regarder est-ce permis? Il faut d'abord savoir une chose très importante, c'est que c'est vrai que l'islam a une position un peu très sensible par rapport à la question, par rapport au sujet de l'image. Pourquoi? Parce que tout simplement, et on parle bien de dessin ici, parce que lorsqu'on reprend l'histoire des croyances, on voit que l'image a joué un très grand rôle dans la déviance de celle-ci. Autrement dit, dans la déviance des croyances. Combien d'images ont été malheureusement divinisées? On a accordé une sacralité à certaines images, d'êtres humains, des fois même d'animaux aussi. Et pour toutes ces raisons, l'islam s'est montré très, très prudent par rapport à ça et a préféré prévenir le mal avant qu'il ne survienne. Ça, c'est la grande explication qui nous permet de comprendre pourquoi il y a un jugement très sévère par rapport à ceux qui dessinent. Qui dessinent ou qui sculptent aussi. Parce qu'ils entrent en rivalité, en compétition avec Dieu, avec Allah Azzawajal. D'accord? Mais il y a quand même des exceptions. Quand on voit que certaines filles, dont Aïcha elle-même, quand elle était plus jeune, l'épouse du professeur Sallam, ils avaient des jouets. Et ces jouets avaient des formes animales et humaines. Aïcha avait même un cheval avec des ailes. Et le professeur Sallam, n'a fait aucun reproche par rapport à ça. Donc il l'a approuvé. Et en fait, cet exemple que je viens de donner est la démonstration parfaite qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Idem ici pour les dessins animés. Bah, la plupart des dessins animés aujourd'hui, en tout cas de ma connaissance, là je pars sous l'autorité de Mohamed qui gère ce live, dans mes connaissances, Allah alam, la plupart des dessins animés, c'est avec des programmes informatiques. Je ne sais pas si c'est encore des gens qui dessinent à la main, c'est possible, mais je pense que c'est plus informatique. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a souvent des objectifs, que ce soit distraction ou encore didactique. On avait interrogé d'ailleurs Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, par rapport à cette question, par rapport au dessin animé. Lui, de son point de vue, la production de dessin animé ne tombe pas sous la coupe de l'interdiction, mais il y a aussi un cadre éthique à respecter. Donc il ne faut pas que ces dessins animés véhiculent des scènes qui sont obscènes ou des messages qui sont négatifs par rapport à notre spiritualité ou notre éthique musulmane. Sinon, les dessins animés d'aujourd'hui
dans leur production et dans leur diffusion et dans le fait de les visionner également, n'entre pas sous la coupe de l'interdiction. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question en réponse à ce qu'a demandé notre frère. Quand nous parlons de Satan, que doit-on dire après cette appellation? Doit-on maudire Satan? En fait, le prophète sallam, comme le rapporte ce hadith dans Muslim, le prophète sallam, un jour, il a subitement dit pendant sa prière, il a dit « A'udhu billahi mink wa al'anuka bila'natillah » Et après la prière, ses compagnons lui ont dit « Ya Rasulallah, au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons entendu dire quelque chose que tu n'as jamais dit auparavant. Pourquoi l'as-tu dit ?» Et c'est là que le messager sallallahu alayhi wa sallam précise qu'en fait, Satan était venu à lui avec une flamme, il voulait le perturber dans la prière. Et c'est là que le messager a tenu ses propos. Donc, « A'udhu billahi mink » je demande protection auprès de Dieu contre toi. « Al-anuka bila'anatillah » Je te maudis par la malédiction de Dieu. Ça, c'est quand on sent que nous sommes envahis par l'oussouas ou par, ces mauvaises pensées qui, comme on le sait, viennent généralement de Satan. Sinon, le simple fait de l'évoquer, il n'y a rien qui a été, à ma connaissance en tout cas, il n'y a rien qui a été prévu, qui aurait été cité dans la tradition prophétique et qu'il faudrait dire, une fois que quelqu'un parle de Satan, qu'il y aurait une formule particulière à prononcer. Wallahu a'lam, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais rien n'empêche, le frère ou la sœur qui évoque le nom de Satan, Iblis, ou qui dit Shaitan tout court, il peut, rien ne lui interdit, au moment de son évocation, d'user de cette invocation prophétique, A'udhu billahi min, donc, Al'anuhu bil'anatillah, ou bien Al'anuka bil'anatillah, là-dessus, il n'y a aucun souci, Inch'Allah ta'ala. Même si ça vaut plus pour des personnes qui se sentent un peu assaillies par l'ouswas, par les attaques, et par les mauvaises pensées qui généralement, comme on le sait, viennent de Satan. Quand, après la mise en place d'un appareil d'orthodontie, l'orthodontiste propose de limer les dents qui sont légèrement dentelées afin d'avoir les dents droites. Au vu du hadith l'interdisant, j'aimerais savoir si c'est comparable. C'est le même principe que ce qu'on a dit là tout à l'heure par rapport à la question de la sœur qui voulait diminuer de ses grosses poitrines. C'est le même principe. L'interdiction faite par la charia concernant le fait de limer les dents, c'est lorsqu'on veut les embellir. Les dents sont normales, mais on a envie de les embellir davantage. Ça, ce n'est pas permis. Mais des dents qui sont abîmées, ou suite à la mise en place d'un appareil, pour des raisons médicales, et que il est préférable de limer quelque peu les dents juste pour les, on va dire, les égaliser ou les uniformiser, là, il n'y a aucun problème. Il y a une raison médicale derrière. Ce n'est pas un embellissement. C'est toujours le même critère qui fait la distinction entre les deux situations. Inch'Allah ta'ala. Alors... Dans la validité de la prière, il y a la position debout. C'est une obligation. Donc pour les femmes, quand elles partent en vacances, elles ne peuvent pas prier dans la voiture ou bien est-ce possible dans cette situation? Déjà, je tenais à préciser que ce que l'on constate hélas très souvent, c'est du même, ce n'est même plus religieux, c'est culturel. C'est que beaucoup de sœurs, lorsqu'elles partent en vacances en voiture par exemple, par automatisme, elles prient assis. Des fois même des frères, mais c'est plus des sœurs. D'office, elles prient assis. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Al-Qiyam, le fait d'être debout, c'est une condition. C'est un pilier fondamental de la prière. Et de ce fait, même la femme aussi doit tout faire pour pouvoir célébrer sa prière en étant debout. Que ce soit en ouvrant la portière de la voiture, en mettant un tapis ou en étant entouré par, je ne sais pas, par ses enfants ou par d'autres sœurs. Bref, elle doit tout faire, absolument tout faire pour prier debout. Prier assis, c'est le cas vraiment tout extrême, quand on ne sait rien faire d'autre. Ce qui, à mon avis, moi qui ai aussi l'habitude de voyager, je ne crois pas que nombre de sœurs soient dans cette situation qui leur permettrait de prier en étant assises. Il y a toujours moyen de prier debout. Wallahu a'lam.
Est-ce vrai que le mariage religieux est valable seulement si on est passé par la mairie, par la commune? En fait, théoriquement, faites attention à ce que je vais dire, théoriquement, à partir du moment où un mariage réunit toutes les conditions, la présence du tuteur, les deux témoins, l'échange des consentements, la dot aussi, même si la dot reste une obligation du mariage, mais la dot est discutée entre les deux parties et que le consentement soit échangé entre les deux parties, le mariage est scellé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des savants contemporains qui interdisent le mariage de cette manière-là, s'il n'est pas officialisé à cause de tous les abus qu'il y a derrière les mariages oraux. Et ô combien sont nombreux. Il y a malheureusement de nombreux jeunes, garçons surtout, qui abusent et qui se cachent derrière la religion. Il faut le dire en passant, ils se cachent bien derrière la religion. Ils disent, ouais, mais à l'époque du prophète, il n'y avait pas de mariage civil, il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas de mairie. Ouais, mais tu compares l'incomparable. Tu compares l'incomparable. Tu compares une époque qui est celle de la nôtre avec l'époque prophétique où les gens, lorsqu'ils épousaient des jeunes femmes, ils étaient pleinement conscients de la charge qui pesait sur leurs épaules en termes de responsabilité, d'honnêteté envers leurs épouses, d'aller jusqu'au bout dans leur projet marital, etc., etc. Sauf bien sûr exception extraordinaire. Donc c'est sur base de ça que il y a, comme je disais, certains savants contemporains qui interdisent le mariage religieux oral s'il n'y a pas avant tout un mariage civil qui est une garantie, une protection du mariage civil. Et hélas, aujourd'hui, certains, c'est faire le mariage dans les règles, c'est le dernier de leurs soucis. Ils ont plein de calculs mathématiques et financiers. C'est le dernier de leurs soucis. Le plus important, c'est de régler ses petites affaires et le reste, on s'en passe. Et c'est souvent dans ces couples-là et dans ces familles-là, très souvent, qu'il y a le plus de problèmes. Donc là, ici, j'insiste auprès de nos sœurs. Tout mariage, il faut absolument qu'il soit protégé par un document légal. C'est le seul qui va pouvoir prouver que vous êtes marié. Combien de frères, moi je me souviens il y a très, très longtemps, combien de frères ont abandonné leurs épouses alors qu'elles étaient enceintes? Juste parce qu'ils ont fait un mariage fatha, comme ils disent, sans document officiel. Lui, il a les mains libres. Demain, monsieur s'en va. Merci, au revoir. Mais c'est la sœur qui doit commencer à se battre pour faire prévaloir ses droits. Qui va l'écouter à ce moment-là? Elle va se rendre chez un juge, ils vont lui dire, Madame, vous avez un contrat de mariage? Vous êtes mariée? Non, je suis pas mariée. Je peux rien faire pour vous. Donc voilà, il ne faut surtout pas jouer avec ça, parce qu'il y a de nombreuses conséquences très fâcheuses derrière. Et justement, la loi musulmane tend absolument à préserver et l'honneur de la femme, et l'honneur de l'homme, et tout ce qui en découle dans une relation conjugale, les enfants, les pensions alimentaires, en cas de séparation, divorce, et ainsi de suite. Et ça, généralement, c'est un cadre légal qui peut pouvoir protéger ça. Allahu alam. Ok. Dans toutes les mosquées, les sanitaires sont fermés. Peut-on faire les ablutions sèches? C'est une bonne question. Déjà, la première chose que l'on dira, c'est que toute personne qui... Bon, les mosquées maintenant sont fermées. Peut-être que le frère ou la sœur parle des mosquées en France, parce que je pense qu'en France, les mosquées sont encore ouvertes. Mais toute personne, avant de se rendre à la mosquée, au vu des mesures sanitaires actuelles, devrait prendre toutes ses précautions déjà pour faire ses ablutions chez elle à la maison avant d'y aller. Maintenant, imaginons une situation où la personne est à l'intérieur de la mosquée et qu'elle perd ses ablutions dans la mosquée avant la prière et qu'il n'y a pas de sanitaire. Les sanitaires sont fermés, donc elle n'a pas accès à l'eau. Peut-elle dans ce cas, se servir des ablutions sèches pour pouvoir prier avec la jamaa, avec le groupe, parce que c'est ça le but premier. Cette même question, un peu, mais formulée de manière un peu différente, mais qui rejoint le même sens, a été posée à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Quelqu'un lui a dit, voilà, Cheikh, moi je suis en voyage et j'arrive auprès d'une mosquée. Le problème, c'est que je n'ai pas mes ablutions et il n'y a pas d'eau dans les environs pour pouvoir faire mes ablutions. Puis-je faire le tayammum, les ablutions sèches, et prier avec la jamaa, parce que je peux éventuellement aller dans une autre mosquée plus loin, mais là je vais perdre la jamaa. La jamaa, je vais la perdre, parce que le temps que j'ai dans l'autre mosquée où il y a de l'eau, où il y a accessibilité au niveau de tout ce qui est sanitaire, ben, la jamaa aura déjà prié.
Le cheikh était très clair là-dessus, rahimahullah, et après je vais rajouter une petite précision. Le cheikh ici a tout simplement dit que ce cas de figure n'est pas du tout autorisé. Quand bien même la personne raterait la salat al-jama'a parce qu'elle n'a pas trouvé d'eau, eh bien, elle patientera jusqu'à trouver de l'eau, et même si la jama'a est passée. La prière en jama'a, en collectivité, est passée. Moi, je voudrais apporter ici deux précisions importantes, en plus de ce qu'a dit notre honorable cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. La première chose, c'est qu'on ne peut, selon les juristes, et ils sont tous d'accord là-dessus, on ne peut avoir recours, et faites attention à ce que je vais dire, c'est un énoncé juridique, on ne peut avoir recours aux ablutions sèches, taymoum, en présence de l'eau, ma'awujou d'ilma, et ce n'est pas tout, et en étant capable d'utiliser cette eau. Ma'awujou d'ilma, et en étant capable d'utiliser cette eau. Ce qui signifie que si l'une de ces deux conditions n'est pas présente, il est clair que la personne peut faire taymoum. S'il n'y a pas d'eau du tout, donc il n'y a pas d'eau à l'horizon, malgré ses recherches, il n'y a pas d'eau, théoriquement, parce que je vais apporter une deuxième précision dans quelques instants, elle peut faire le taymoum. Ou l'eau est présente, et là on passe à la deuxième condition initiale qui ne permet pas d'user des ablutions sèches, mais là ce serait une exception, c'est que l'eau est là, mais que la personne ne sait pas l'utiliser, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a une blessure, parce que l'eau risque de retarder sa guérison, ou d'aggraver sa maladie, ou sa blessure. À ce moment-là, elle passe au taymoum. Donc là, vous avez les deux situations où on ne peut pas avoir recours au taymoum. Lorsque ces deux situations ne sont pas présentes, le taymoum est permis. Je rappelle la présence de l'eau, ou au jour de l'ma, et deuxièmement, al-qudratu al-isti'mal al-ma, la capacité à utiliser l'eau. Retenez bien ces deux conditions, ce sont des énoncés juridiques qui sont très connus dans les classiques du droit musulman, quelle que soit l'école juridique en question. Maintenant, j'arrive à un autre point qui rejoint un peu la question de notre frère. Mais pourquoi dans ce cas, je laisse tomber la jama'a et je dois attendre jusqu'à trouver de l'eau? Parce que il y a une évidence, mes chers frères et sœurs, qui est la suivante. Les juristes sont tous d'accord et unanimes quant au fait que les ablutions de recours à l'eau, constituent une condition de validité de la prière, charte. Il n'y a pas de khilaf ici, il n'y a pas de divergence entre là-dessus. Ils sont tous d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour certaines jama'a. Pour la prière en commun, les juristes ont un débat entre eux. Entre ceux qui considèrent que la prière en commun est une obligation et ceux qui disent qu'il s'agit d'une sunna recommandée, sunna mu'akkada. D'accord ? Là, la situation paraît très très claire. Dans le cas présent, il n'y a pas d'eau dans la mosquée, il y a une jama'a qui est présente. Est-ce que je fais le TMO pour attraper le jama'a ? On lui dira non. Pour rejoindre la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, on lui dira non. Pourquoi ? Parce que les ablutions, c'est une condition de la prière. Or, la jama'a que tu comptes rejoindre, ce n'est pas une condition de la prière. Il y a même débat sur l'obligation de la faire en commun. Donc, tu peux sacrifier la jama'a le temps de trouver l'eau et tu pries seul. Et et ce point de vue est, à bien des égards, Inch'Allah, le plus juste. L'avant-dernière question, Inch'Allah ta'ala, si je ne m'abuse. L'histoire que vous nous avez racontée en introduction lors du live dernier, c'est aussi un homme qui est venu voir Al-Hussein ibn Ali, puis il lui a raconté la même histoire. Je pense que le frère ou la sœur fait probablement allusion à l'histoire de Hassan Basri, je pense. Hein. Déjà, je voudrais souligner qu'effectivement, moi-même, dans mes lectures, il m'est arrivé de voir que un fait qui s'est passé avec un savant, un imam, un vertueux, eh bien, nous pouvons des fois constater que ce même fait, d'autres savants, d'autres vertueux, d'autres imams ont connu des expériences analogues. Donc là ici, ça permet aussi de lever un peu, ça permet de mettre fin à l'étonnement. Tiens, on a parlé de tel imam et pourtant l'autre a connu la même expérience. Ça peut arriver et je n'ai pas d'autres malheureusement explications à donner par rapport à ça. Wallahu alam.
Nous connaissons le comportement bienveillant du prophète sallam avec les enfants, mais comment le prendre en exemple face à une certaine dureté dans l'éducation des enfants? Ça, ce point-là, inshallah, je demande à Ahmad de le retenir, de le noter maintenant. Ce point-là sera la question du jour pour le prochain, inshallah, prochain live de vendredi prochain. Barakallahu fikoum à vous toutes et tous. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une agréable soirée, bonne fin de semaine, un bon week-end et à vendredi prochain. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما